Salut tout le monde, c'est Noémie, j'espère que vous allez bien. Ben moi, écoutez, ça va super bien. On se retrouve pour un vlog, voilà. Juste après mon absence, mais heureusement, c'est reparti. J'ai découvert des chemins il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous y emmène tout de suite. Je sais pas si on le voit d'ici. Il y a une montagne là-bas en haut. Il y a un machin là-bas en haut. Et ben j'ai trouvé comment y monter. On va aller voir. Et franchement, vous me direz ce que vous pensez de ce machin parce que je sais pas du tout ce que c'est. Voilà. On se retrouve tout de suite après. Je coupe un peu. Donc ouais, c'est reparti, j'ai des chemins, j'ai plein de choses à vous dire. Et en plus, c'est le retour du beau temps, je suis super content. On est dimanche matin, vous voyez, et là, on chope un temps radieux. C'est une journée à faire du quad, du RZR, du... C'est une journée à sortir, quoi. Et là, il y a des chevaux, là, à côté. Et oui. Ouais, c'est des prés par ici, il y a pas mal de chevaux. Il y a des poulains, l'autre jour, j'ai vu, il y avait un poulain. Bah, là-bas en haut. On peut que vous puissiez le voir. Ouais, parce qu'il y a sûrement un ranch. Enfin, un ranch. Je m'entends, on n'est pas des Américains en hauteur, mais... Vous voyez? Il y a sûrement quelques canassons dans le coin, quoi. Attention, à droite, à gauche, il n'y a personne. Donc oui, on va monter là-bas en haut. On va avoir une super vue. Vous allez kiffer. Faire gaffe parce que j'ai toujours le truc de la lame, voilà. L'hiver est passé, on va dire, hein, on est bientôt fin mars, même la vidéo sera sortie, le mois de mars sera passé, mais ça change rien. J'ai le truc à l'avant pour la lame et on va le garder encore quelques temps parce qu'on sait jamais. Au mois d'avril, on n'est pas à l'abri de quelques neiges, on est en hauteur quand même, messieurs, dames. C'est un peu le nord de la France quand même, la Haute-Saône, non? Non, pas du tout, c'est en plein milieu, mais sans rien. Je vous assure. Vous arrivez de voir de la neige, ben là, il y a quoi? Il y a une semaine, il y avait de la neige encore. Et on va voir, parce que mercredi, je suis passé dans le coin, et ben il y avait de la neige aussi dans les bois encore. C'est pour vous dire à quel point ça caille quand même. Ça me fait rager, oh, vous avez pas idée. J'aime pas. J'ai déjà tendu une fois. Ça m'a suffi, quoi. Ouais, pour ceux qui n'étaient pas au courant, je vous le mets. Je vous le mets d'ailleurs sur Facebook. Vous savez quoi, sur Facebook. Et là, je sais plus à quel côté j'avais tiré, à droite ou à gauche. À droite. Ah, j'avais tiré à gauche. Ouais, et puis c'est... Ouais, je vous mets sur Facebook. Oh. Même avec le micro, on entend le bruit sourd quand ça tape. Blaouh, comme ça. Ah, il y a du monde. Je sais pas si j'aurais... Oh, ça doit passer. Ouais, tranquille. Ils sont polis, les gens. Vous voyez, ça fait plaisir.
les gens qui regardent pas les quadeurs et tout ça avec un regard méchant. Parce que moi j'en ai eu croisé, ben, mon petit, quand tu te fais regarder et que tu as l'impression qu'on veut te tirer une balle de fusil, et ben ça fait pas plaisir. Et là t'as des gens, c'est le dimanche, il fait beau, on se dit bonjour, bonjour, voilà, et là ça marche. Hein. Moi j'aime bien quand il y a une notion un peu de respect quand même entre les gens. Un minimum. Lui aussi il fait des chemins. Et attends, si lui il fait des chemins, c'est un chic type alors. C'est un chic type. Ouais voilà, alors là on va avoir une sacrée montée, on va s'amuser les gars. Ouh. Je mettrai les 4 roues d'ailleurs parce que l'autre jour bah, je me suis arrêté en plein milieu pour les mettre. C'est dommage, s'arrêter en plein milieu. Le mieux c'est quand tu montes ça d'une traite. Voilà, on va aller là au-dessus. Il y a une affaire de truc en bois là, ça se voit pas bien sûr avec la caméra. Mais attends, on va passer la vitesse lente parce que la vitesse rapide, ça, c'est pas bon. Et on va admirer une super vue avec le soleil dans le dos, parce que l'autre jour j'avais le soleil en face. C'est dommage, j'ai tiré des photos, mais ça fait pas quoi. Voilà, on fait ronfler un peu les gars. Vous êtes prêts? Parce qu'après là c'est 100% ronflette. Attention, c'est parti. Et on arrache tout. Attention, là il y a de la pierrasse. Regardez-moi cette vue. Fou. Ben moi vous savez quoi, on fait pas bien des vlogs à pied, mais ça n'empêche pas de s'arrêter pour admirer. D'ailleurs j'ai le micro qui est tombé là sous le siège, il est toujours branché. Ouf. Allez gars, et attendez, vous allez me dire ça c'est quoi? Là on s'arrête 5 minutes hein, on va se mettre hop, sur la souche. C'est quoi ça? C'est quoi? Faut m'expliquer. Alors, soit vous considérez ça comme un, je sais pas, un paratonnerre, on pourrait dire. Peut-être. C'est quand même un zigouigoui en ferraille. Mais moi, j'ai aucune idée. Oh, pour rentrer en communication avec les aliens, au moins. Non, je sais pas du tout, franchement. Moi, je me disais, ouais, c'est peut-être un truc, tu sais, peut-être ils voulaient faire un moulin, mais simplement, on va faire un moulin en haut d'une montagne avec les vents qu'il y a par chez nous. Enfin, je sais pas, tu vas te le faire arracher. Et puis le truc, la pièce au milieu, c'est pas fait pour tourner, alors. Je me pose sincèrement la question. Ils ont quand même lesté l'affaire avec de sacrés rochers. Enfin, bon. Et là, ce paysage. Là, c'est un peu joli quand même. Ça, les gens, c'est la Haute-Loire. Ça, c'est la Haute-Loire. Moi, j'aime mon département, il n'y a pas à dire. Regardez un peu. On a une putain de vue. On voit, je sais pas combien de kilomètres à la ronde. Là-bas, en bas, là-bas, ça doit être le puits, en Velay. C'est carrément pas à côté, hein, quand même. Là-bas, c'est Saint-Jean, mais là-bas, le Puy-en-Velay, ça doit parler à certains. C'est une assez grande ville dans la Haute-Loire. Voilà. Mais quand même, hein, c'est pas bien. Et le RZR, toujours aussi beau, bon, aussi sale aussi, hein, mais ça c'est qu'un détail. Je prends 2-3 photos, dont une pour la miniature. Vous saurez d'où vient la miniature. Voilà. Donc sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. On se quitte quand même sur ce joli paysage. Je vous invite à vous abonner. Voilà, à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, voilà, là où je publie de temps en temps quelques photos, j'essaie d'être régulier, voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine, merci d'avoir regardé, c'était No Limites. Allez, salut !